Bonjour à tous et bienvenue sur Civilization 6 Gathering Storm avec l'extension New Frontier, tous les packs DLC, tous les modes héroïques avec l'Inerian qui est paumé avec son IA. Ça va l'Inerian ? Ça va. Tu t'en sors ? Moi je suis avec mon éclaireur, seul dans les chevaux et les petits chats. Bonsoir à Rich Cool avec son casque qui tient la route. Bonsoir à tous. Voilà, et Cro-Magnon mon cher voisin, comment vas-tu ? Ça va, impeccable. Eh ben, nom d'Aminet, 7ème épisode. Je sens que c'est la soirée conflit technique. On verra. Oh là 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 là, je viens de voir un de ces trucs. C'est pas moi. Non, il y a l'Inca, il a un colon. Ah. Ah là 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 là, je crois que c'est la déclaration de guerre. Ah bah, je t'avais dit qu'il allait venir au milieu, s'il va pas oser, il s'en fout. Alors, promotion. Je vais me faire rosser, mais. Vas-y, tant pis. Je pense qu'on va déclarer la guerre à l'Inca. Alors attends, moi je veux plutôt prêcher une croyance. Est-ce que c'est pas utile de faire martyr à ton apôtre et quand il meurt il fait une relique, parce que quand on fait une promotion, ton apôtre meurt de toute façon. On va tenter, tiens, j'ai jamais pensé. De quoi ? Il y a des promotions aussi pour les apôtres comme pour les militaires. Il y a une promo pourquoi là. Pourquoi il mourrait ? Parce que quand je vais créer une doctrine supplémentaire de ma religion, il va mourir, il va disparaître. Ah oui, au bout d'un moment. Oui, oui, ça marche comme ça. Il me semble que c'est quand il meurt en combat religieux, non ? Oui, en combat théologique. Ah oui, en combat théologique, ouais. Théologique. Ah oui, la relique. Ouais, bon, donc on s'en fout. Allez, c'est parti. Les meumeux d'espace, le retour ! Alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Je suis sûr qu'il veut venir se mettre pile au milieu de chez moi, ce connard. Non, non, on va pas le laisser passer. Qu'il veut aller par là. Oh, c'est beau, ça. Lieu sacré... Bon, moi ça va. Je vais prendre les mosquées. Toi, t'as comment ? Est-ce que tu arrives à réfléchir pour pouvoir jouer ? I. Je vais poser mes troupes. Oui. J'ai pas fini, j'ai mon super héros Sun Wukong qui explore des terres inconnues et arables. Oh non, il y a déjà un éclaireur de Trajan, c'est quoi ce délire là? Fous le camp. Il est partout cet homme là. De quoi tu parles? De toi. T'es sur mes terres. Ah ouais, mais méfie-toi du lion, méfie-toi du lion. Caltage, dans les... je te vois nulle part. Colisse de prute. Le seul adversaire que je vois qui n'est pas un ordi, c'est la Hongrie. Bon, l'objectif. J'ai suivi le message et je m'en vais. L'objectif de cet épisode, c'est de passer à 5 villes. Il va être temps. On va commencer à faire une armée conséquente. Ah, une cité qui est disponible pour des constructions. Ça, j'aime. C'est quoi un palgom ? Ah oui, ça se remplace le moulin à eau. Oui. On peut faire un bâtisseur peut-être aussi. Ça a pas marché, bah oui, je sais bien m'appuyer. Oh, il y a le Vatican. J'avais jamais vu. L'héros. Ah, j'ai le héros Imiko. Puissance de combat plus 10 pour toutes les unités. Oh putain. Oh, Imiko, moi je la fais direct, elle. Oh. Oui, c'est une façon de voir les choses. Ah ouais, mec, c'est trop bien. Comment on fait niveau, là, pour les choper, c'est comment, là ? C'est la ville qu'il a rencontrée qui peut l'activer en prière, en projet. Si j'ai bien compris l'énergie. La ville qu'il a rencontrée ? Ouais, il faut que tu ailles dans tes gestions de ville. Mais je sais pas laquelle c'est, moi. Moi non plus, je fais le tour. Elle a déjà été recrutée par la France, donc je suis pas sûr que tu puisses la rencontrer. Ah, elle est déjà prise, ouais. Saloperie. Tu sais qu'on les voit à niveau, c'est dans les héros. Voilà, j'ai lu cet héros. Ouais, c'est ça. Ah, recrutée par morte. Non, elle est morte. Ah, donc il faut être réincarné. Une délégation, oui, bien sûr. J'ai bah, donc je devrais pouvoir la faire, non ? C'est ça, non ? Les 12 ont déjà été recrutés une fois. Donc a priori, plus personne peut les recruter à nouveau. J'ai une question. Okay.
diplomatique collégiale. Christine de Suède, elle vous embête ou quoi? Elle veut me demander en ami. Elle est voisine de vous? Oh, pas du tout. Je cherche sans doute à me faire la guerre. Oui, mais de toute façon, on n'est pas en équipe. Allez hop, ça gêne pas pour les guerres. Voilà. Elle a apporté une catapulte et un arbalétrier à ma frontière. Oui, bah défonce-la. Je pense qu'elle me cherche. Ah tiens, ton voisin Akai, il a peur de moi, là. Ayakuchu. C'est marrant. Bon. L'Inca est converti, ça c'est fait. Maintenant j'ai plus de civilisation autour de moi à part Tech, c'est la merde. Hein. Eh ben, je peux dire... On va aller s'attaquer Ah bah, si tu bouffes l'Inca, tu t'ouvres un continent immense. Ah bah là oui, je me suis ouvert tout le côté. Il y a juste Périclès qui est avec Athènes, qui s'est pas développé, méfie-toi, mais c'est tout. Je vais le bouffer. Ouais, il est à gauche de Johannesbourg, cet état. Si tu vois Taruga, tout là, à gauche. J'ai toute son armée qui est devant moi, là, il y a moyen. Là. Et souviens-toi... Ouais. Son colon là, il va lui arriver des malheurs. Je lui ai préparé un guet-apens. Il y a mes petits spadassins dans les bois, il y a mes petits arbalétriers de l'autre côté de la rivière. Je viens de découvrir un truc avec les chanteurs du néant, vous savez, des sociétés secrètes. À l'ère industrielle, je peux créer des fanatiques. Ils posent des charges pour réduire la loyauté dans les villes étrangères. Ils génèrent des reliques. C'est génial. À voir. Non, on va lancer un djihad du chaos. Ça va être excellent. Ah mais on attend notre cher ami Romain. Bah oui. Ouais mais justement, c'est parce que... Donnez-moi 2 secondes pour réfléchir quand même. Ah, mon héros est mort. Oh. Gloire à lui. Ouais, ça dure pas longtemps. Hein. Non mais c'est pas mal fort par contre, mais cette histoire qu'on peut pas les recruter... Les bras viennent de me donner 250 pièces d'or. Attends, j'ai 4 siècles de passé, bah je suis loin de l'ère atomique. Hein. Ouais, genre... c'est une batte, 250. Au début d'épisode 6, on était en l'an 300, là on est en épisode 7, on est déjà en l'an 700. Oh là 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 là. Oh, ce devin démoniaque. Ah, ok, j'ai une info sur les cris, ils ont les vampires. Donc ils sont quand même pour la baston. Ils ont un petit vampire. Bon, et nous? Promenons-nous dans les collines. Oh, du volcan. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut du fer et en échange, il m'offre du pognon et un libre passage. Ça marche. Très bien. En foi, on est à 130, chers amis. Le prochain apôtre, c'est 210. On perd notre apôtre quand on lance une inquisition, on est d'accord. Hein. Oui. Bon. C'est pas grave. Voilà, ça donnera de la foi en plus et j'aurai en plus un placement pour un citoyen. C'est pas mal, ça. Il va vraiment être temps que je fasse des choses, là. Voilà. Trop de choses. Il est allé où avec son colon, là? Trop de choses. Pourquoi je le vois plus, son colon? Putain, il a fait la ville. Oh, le bâtard. Je savais qu'il fallait que je l'attaque. Il l'a posé... Ah bah, je t'avais dit, tu le sais. Il l'a mis où? Juste Wanaku. À côté du volcan, mais ouais. Bah ça, c'est une ville qui se rase. Ouais, vas-y, fuck, vas-y. Fuck. Non, par contre, j'étais des upgrades à faire. Allez, je passe. Allez, vas-y, tant pis, je donne tout là. Ouais, déclarer la guerre, je m'en fous. C'est bon, allez. Ouais, c'est ça, allez. T'as qu'à pas faire ta ville ici. On va garder dessous maintenant. Ouais, je suis remonté à 40 pièces d'or par tour. C'est déjà un peu mieux. Bon, y a de la diplomatie derrière.
Donc on peut pas convertir les cités-états. Ah bon? Si. Je crois qu'il y a un truc avec les héros. Il y en a certains qui le peuvent. Ou prendre toutes les armées de la cité pour faire une guerre. Mais je pourrais être suzerain peut-être. Tu vois. Pourquoi tu pourrais pas convertir une cité-état? Bah je sais pas, la dernière fois que j'y étais avec une unité, je pouvais, enfin, même pas rentrer sur le territoire. Tiens. Avec un apôtre ou un missionnaire, tu peux, hein, c'est pas un problème. Ouais. Bon, Non, je vais pas attaquer le char, je vais le laisser comme ça. Il va se faire tuer de toute façon. Les arbalétriers. On va essayer de se les faire. Yes. J'ai construit mon moulin à eau, le Palgoum, au prochain tour. Ça, c'est beau. Ok. Bon, il a fait du dégât, c'est déjà ça. Ça, c'est tout ce que j'ai. Hop. Con, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Ah, j'ai du café, là. 1, 2, 3. Ah, je pourrais pas la voir, crotte. Et sinon, le libre passage, on doit déjà l'avoir en fait. C'est pour ça que je peux le proposer, tech. Ah, attends, je regarde. Est-ce qu'on avait fait un libre passage à un moment donné? Bah oui, je pense. Parce qu'il a pas dû, il a pas dû exclure. Enfin, expirer, pardon. Je peux pas l'encens. C'est intéressant, Ishkul, mais l'encens, je peux pas, j'en ai que un. J'en ai besoin de l'activité pour l'instant. Et du coup, ouais, on va regarder au prochain tour la diplomatie. Parce que je libère le cavalier, du coup, à Croc, et moi, ça me libère un passage au sud, si je veux me promener. Bon, le truc prérequis, c'est d'avoir tous les deux le premier empire. Et c'est un des trucs que t'as vraiment dès le début, ça. Ah, mais j'y suis pas. Oh putain, ça. Qu'est-ce qui m'a tué? Droit divin prochain tour. Bah si, j'ai premier empire. Oh la vache. Empire, tu l'as, non? Oui. Comment c'est ce qui m'est rossé à ce moment-là? Non, c'est marrant, la terre est... Ah non, c'est moi qui l'ai eu. Qu'est-ce qui m'a tué? Archer. Ah ouais, ça pue du cul, ça. Gouvernement disponible, oui. Partons en monarchie. Ouais. Ok. Alors... Bastion, c'est pas mal. Voilà, on va rattraper un peu la situation. Campement et port, et bâtiment, production plus 30, c'est pas mal ça aussi. Ah, je me tâte. Ouais, t'as un gars, t'es comment? Non, pas encore, mais je réfléchis. Quand campement, port, je n'en ai pas encore, c'est pas utile. Loyauté plus 2, y a pas de problème de loyauté. Non, j'ai fait une connerie de ouf, là. Oh, putain. Peut-être pour bouffer un peu... pour la guerre, je sais pas. Là, j'ai perdu mon lancier, je crois. Ah, j'ai déconné, j'aurais pas dû passer la rivière. J'ai pas de problème d'activité. Production plus 100 pour les bâtiments de défense. Je sais pas si c'est sympa ça comme utilité. Ah bah ça va être faire tes remparts très rapidement. Ouais, j'en ai si à faire. Pas, si t'as pas beaucoup de remparts actuellement, c'est très intéressant de le prendre. Ouais. Moi j'ai toujours une phase pour laquelle je la prends cette doctrine. Voilà, prétoire je prends, par contre ça c'est utile. Confirmé, c'est bon. Gouverneur, il n'y a rien à faire pour l'instant. Personnage illustre, 8 points. Ouais, c'est vrai que Babylone est pas mal côté science, hein, je me plains pas. Et du coup, j'ai rien à faire. Regarde où t'en es dans l'arbre de recherche pour voir quel point t'es devant nous. En arbre de techno?
Là, le dernier, la techno la plus tardive que j'ai pour l'instant, c'est tactique militaire, et je suis déjà à la suivante. Mais regarde en bas, là où t'as la barre de défilement. Tu vois où t'es situé par rapport à... Ah, la vache ! T'es largement devant. Ah oui, non mais c'est incroyable. Ah oui, mais c'est carrément dingue. Ah oui, mais t'es cheaté, mec. Parce que je travaille la poudre à canon, là. Ah bah oui, bah je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir. Bah j'espère. J'espère gagner un jour. Voilà. Évidemment, si tu prends tu triches. Ah, de toute façon, faut que j'arrête de prêter de l'or parce qu'on n'est pas en équipe, ça se négocie maintenant. Et vive les meumeux de l'espace. Tiens, ça pourrait être ça. Laissez-moi ma religion venir chez vous pour des prêts. Bon, il est mignon, lui. Mais tu vas partir en explo automatique parce que ça me fatigue. Allez. Et à ce niveau-là, Rivers of Babylon. On va bloquer comme ça, voilà. Le colon après, ouais. Oh, ben moi, je suis rendu Il est situé où, là, encore? Il est à gauche de moi. Ouais. On sait pas où tu es, Linerian, c'est vrai, Barbarouge, je l'ai pas vu. Il est méga loin de moi et il me dit « Votre armée à nos portes nous met mal à l'aise. » Ah, c'est excellent. Je suis genre à 50 cases de chez lui. Oui, non, bah, il bluffe, là. Ou alors il a un émissaire dans le coin qui se promène. Ouais. Tu vois combien de fois 199. Ouais, prochain tour. Là, je peux rien faire, les camarades. La grande bibliothèque a été faite, crotte. Oh non, elle a été faite? Ouais. Ah, je l'ai manqué. Pour l'instant, je suis dans l'optimisation de la religion avant l'inquisition. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben. Voilà. On attend toujours Barberousse et puis Trajan, hein. C'est incroyable. Hein. Enfin, je dis. Oh, je joue aussi. Hein. Je te rassure. Il est quand même intéressant, là, il est riche, hein, je vois, avec Duc, petit quartier sympa, là, une plateforme commerciale à piller. Ouais, non, il y a du miel, c'est du pognon, c'est un cas, en fait. Du pognon, c'est une croyance, pour ça. Il a plein de miel dans ce coin-là. Oh là là. Mais nous, ça va faire une croyance. Attends, je suis dégoûté, là, c'était que t'as fait Pex, t'as deux apicultures, t'en as une au sud. Ah ouais, non, il y a du fric partout, là. Le miel, ce bonus de luxe, c'est génial, hein, c'est plus pièces d'or, plus 6 à chaque fois. J'ai pas encore réparé ma bibliothèque. Oh là là. Ça, c'est un reste de Cro-Magnon, ils sont devins. J'aurais un feu, moi. Bon, t'as juste inondé ma ville, mon quartier scientifique. J'ai rien fait du tout, monsieur, d'accord? Arrêtez de m'accuser, vilain monsieur. C'est parfaitement que t'as apporté mon éclaireur au passage. De quoi? Je me rappelle parfaitement que t'en as profité pour assassiner mon éclaireur au passage. Moi? Et toi? Je rien fait du tout. C'est la rivière qui s'est attaquée à ton. Et je fais que 16 en techno, mais je suis tellement devant avec les autres qui sont à 70, quoi. Donc quoi, arrête de m'accuser, c'est pas très gentil. Pourquoi vous arrêtez pas de faire du clic-clic-clic comme ça? Bing, bing, bing. Oh là là, mais je me fais des pop avec ces arbalétriers là, putain. T'as lancé la guerre déjà? Oh oui. C'est bon, il a fait sa vie, j'ai lancé la guerre direct, mec. Ah, et le héros, en fait, quand là, il reste dans notre empire. J'ai l'épopée de Sun Wukong, d'accord. Donc je pourrais le refaire, ok. On peut échanger les épopées entre états. C'est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ici pour l'instant? Rien. Je fais n'importe quoi. La question, c'est est-ce qu'on peut faire un libre passage ou pas? Ah si, ça marche, j'ai réussi avec Rishkul. Ouais. Un libre passage, je peux avec toi. Ouais. Du coup, Cro, pourquoi?
Moi, je sais même pas où tu es. Est-ce que t'as découvert le premier empire, gros, c'est bizarre qu'on puisse pas tous les deux. Il te manque une techno, je pense, en doctrine. Bah, je suis à fonction publique, là, et tout. Ouais, je comprends pas. Ah oui, premier empire. Bah ouais, tu l'as. Ouais. Mais je sais pas pourquoi je suis en mode vénère contre toi, t'es en rouge. C'est... Ah oui, c'est... Bah, ah, c'est parce que je t'ai dénoncé. Ah, c'est pour ça. T'es comment? Oui. Je trouve pas ton territoire à toi. Il faut... On va faire la démonstration. Moi, je suis de l'autre côté de Samarcande. Ah oui, il faut attendre 8 tours, ouais. C'est 8 tours. Samarcande, la cité-état. Ah, ok. J'ai les Mayas... J'ai pas accès par là. Oui, mais heureusement, j'ai les Mayas qui me protègent. Ah mais les Mayas là, je l'ai carrément mal attaqué là, putain. Il veut un libre passage chez moi, l'Inca. Là je vais perdre 2 unités, c'est sûr, avec ces arbalétriers là. Faut que je le bute. Non, l'Inca il panique un peu là. Ah voilà, 100 pièces d'or, bim. Ah, ça y est, bon. Allez, on a de la foi, on continue. Je peux acheter un cavalier, mais bon, cavalier, c'est pas ça qui va me sauver. Fait de la pression. Du coup. Il y a tellement de temps perdu que depuis que ça ne va pas. J'aurais pas dû, mais je craque. J'ai acheté un bâtisseur. Calme. D'un coup, c'est calme, les copains. On est à 4, c'est pas excité, on est zen. Hein. Je crois qu'il va ressortir l'alcool pour que ça se lâche un peu, les gros. Alors, attends, pourquoi je suis tout là-haut, moi? Ok. Là. Donc, ouais, Linerian, t'as qui comme voisin proche, toi, pour essayer de te repérer? J'ai l'Inde, la Suède et. Ouais. Ah non, le Summer, pardon. Stockholm, je vois, Stockholm. Donc, je vois où tu es à peu près. Là, t'es dans une zone où je t'ai caché. Genre, il y a un éclaireur. La frontière de la Suède touche la frontière de l'Allemagne. Il a fait les remparts sur sa ville en 2 tours, limite, quoi. Voilà. Une espèce de. De garce. Connard. Titre de gouverneur Je regarde un peu, j'ai un gouverneur à faire une promotion ou pas. Je peux pas acheter d'arbalétrier. Ah, oh, c'est 300 les arbalétriers. Ah oh, ouais. Je suis comment avec Samarcande? Elle me plaît bien, Samarcande. Je vais essayer d'être le suzerain de Samarcande, Richcool. Quoi? Je dis que j'ai une cité, je vais être le souverain. Ah. Samarcande, la cité-état économique, elle est quand même proche de mon empire, j'y tiens. Tu es prévenu par amitié. Non, mais t'es suzerain pour l'instant, mais je te préviens que je vais monter, là. Moi, j'ai juste Samarcande, mais c'est près de ma cité aussi. Oh non. C'est pas vrai ta cité. Non. Ça fait au moins 5 tours que je suis souverain. Ouais, c'est pas ta cité à côté. Ça, c'est un royaume voisin qui est pas esclave chez toi encore. C'est pas pareil. Production. Okay. C'est au cas où. Voilà. Ah, je suis assez embêté au niveau militaire. Production plus 50% pour unité de combat rapprochée à distance. À distance, donc les arbalétriers, ça fera plus vite. Allez, on prend. Clac. Position défensive. Les meumeux de l'espace. Prêcher une croyance. Oui. Culture.
plus un mystère par chaque système qui adapte sa religion, si c'est plus simple. C'est pas mal ça. On va prendre lieu sacré. Voilà. Très bien. Ouais. Ça va être bon, je suis content. Je renforce ma religion en ce moment. Allez, congrès mondial! Une ressource juste qui augmenterait les trucs comme ça. Le miel, ça vous intéresse ou pas? Ouais, plus que ça. Ouais. Pas plus? C'est pas mal. Ouais, 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 ouais. Le coût de production d'achat aux unités militaires est doublé jusqu'au. Non. Et réduit, ouais, plutôt. Qu'est-ce qui est pas mal en unité militaire? Par l'or ou par la foi? Ou par la prod? Prod, c'est voilà. Pas mal aussi. Ah, ils sont pas quoi, moi. C'est plus dur d'avoir par la foi. Moi, j'ai mis moi, par la foi, moi. Moi, je prends de la prod. Parce que j'ai un voisin qui me veut pas du bien. C'est ce que je pense aussi. Quel voisin? Bah, en prod, c'est pas mal, tu vas plus vite, quoi. La foi, c'est étonnant, Cro-Magnon, t'es religieux à fond? Ouais. Et en plus, pour avoir les unités avec la foi, c'est difficile. Ça prend des choses spécifiques. Est-ce que j'en fais pour avoir une merveille depuis que je suis avec vous? Le prochain tour, j'aurai ma première merveille avec vous. Yes. Poundmaker, il m'a dénoncé. Ouais, mais je vais le bouffer, lui, dès que je peux. Il me saoule. Oh putain, il m'a bouffé mon char lourd maintenant. Non, mais sérieux. Mais d'où il arrive avec des chevaliers? L'Inca a des chevaliers? Bah là, d'un coup, poum, il y a un chevalier qui pop. Ah, c'est le gypse qui a été choisi. C'est quoi ce délire? Quoi? La prod, ouais. La ressource de luxe, c'est... Ah, un héros qui l'aurait aidé? Ouais, c'est Arthur qui permet de transformer en chevalier. Ah, voilà. Non, mais il a pas transformé quelque chose en chevalier, il a fait pop un chevalier. Ouais, bah, il l'a acheté. Putain, je me fais démonter, quoi. Merde. Ok. Première catapulte de fait. On va faire de la prod. Ok. Maintenant, réfléchissons. Ah ouais, je suis ridiculisé, putain. Tu me diras, il a 22 en puissance militaire, lui. Oh, c'est cool, ça. La merveille m'a donné 2, 3 apôtres d'un coup. Ça pas de galère. Il m'a dénoncé aussi, je suis venu... Attends, c'est lui? Ouais, je suis venu convertir une de ses villes aussi. Je suis embêté. C'est quoi là? C'est une mine? En industriel, il n'y a pas de bonus. Les Incas, c'est qui déjà? C'est Personne, c'est lui de l'ordi, c'est Nia. Ok.
Voilà. On va voir après. Et je peux envoyer un émissaire. Bah très bien. Ah, je viens de raconter les cris. Ah ah, dévotion de Mulan. Intéressant. Quoi, t'as Mulan? Tu m'as piqué Mulan? Non, j'ai découvert. Je l'ai pas piqué. Si tu l'as découvert, c'est toi le patron de Mulan. Il faudrait que je t'achète par traité un échange. Ah, ok. Non, non, tu paniques pas. Ben fais pas, toi là. Ok, je vais réparer l'université, faire un temple. J'ai toujours pas fait la place de gouvernance, c'est grave, docteur. Je t'ai pas fait. T'as plein de bonus que tu l'as pas fait. Le tour est passé! Et ça va être le dernier de l'épisode, les amis. Ils sont montés à quelle puissance, les cris, là? 336? Ah, la vache. Ouais, on a fou chevalier, laisse tomber. 336, ça va, hein. La Suède, elle a quasiment à 600. Ouais, tout est relatif, je sais. Bon, bienvenue à Malgoum. Tu dis ça, mais t'as 360 toi-même. Ouais. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, tant pis. Sacrifier un appel. Triste. Il me reste quoi? Construction 1? Non, il doit faire de l'activité. Ouf. T'as prêté à dire quelque chose sinon, tac? Non. C'est une déformation de youtubeur, je parle trop. D'accord. Ah, oh, ça coûte cher tout ça. Ça coûte cher. Tu peux acheter un colon avec la foi. Ben, faut pas hésiter. Ok, côté unité militaire, c'est sympa. Bah tiens, si, je vais peut-être bouger mes troupes quand même. On va bouger nos troupes. Comment on va se mettre? Si on attaque celle-là, c'est pas mal. Allez, je constitue ma première armée, je suis en retard sur Cro. Oh mais moi j'ai fait n'importe quoi mec. Tu fais un traité de paix du coup? Non, non, mais je vais attaquer sérieux, mais je fais n'importe quoi sur le coup. Écoute, j'ai embêté les cris parce que j'ai collé une cité à leur frontière pour bien prendre mon territoire, je les emmerde. Excusez-moi du terme. Moi, ben, je suis pris dans les glaces. Comment ça? T'es dans le pôle Nord? Ben, j'ai envoyé mon éclaireur dénommé Sinbad, je sais pas si vous connaissez. Non. Sinbad le marin. Ah oui! Oh, j'adorais ce film-là, c'est vrai, on en a parlé. Il peut aller directement dans la haute mer. Dès qu'il découvre quelque chose de nouveau, il me donne 250 pièces d'or. C'est génial! Ouais. T'es riche, en fait. Quand il attaque une... qu'il trouve, mettons... Un poste barbare à côté de la mer, là. Il l'attaque, il lui fait 50% de dégâts, et il me donne 250 pièces d'or. Puis il a 8 charges pour ça. Ouais. C'est vrai que la Suède, 595 armées. Ok, il est en investir. Ah, Périclès qui vient foutre son nez partout, là. Mais quel cavalier. T'es toujours sur le roi Arthur?
Ah, il a été détruit par un centre-ville. Oh putain. Allez, on arrive aux frontières de la Suède. On va chercher Barberousse. Arbalétrier dispo. Ouais. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Colonisons. On est toujours en galère tous les deux là. Ouais, putain, ouais. J'ai marre, j'aimerais bien récupérer mon cavalier. Là. Ouais, tiens, on en est où d'ailleurs? Je regarde vite fait. T'as raison. Je n'ai pas le libre passage parce qu'on doit pas trop s'entendre, c'est ça le truc, il faudrait remonter en amitié. Vous êtes dénoncé, donc. Dénonciation pendant combien de tours encore? 4 tours. 4 tours, 4 tours. Et si on faisait du commerce ensemble, ça ne viendrait pas ça? Ça change pas la dénonciation. Mince. Ah, je peux déjà le trouver les. Ça donne du tourisme, l'épopée, c'est excellent, 10 de tourisme. Ah bah oui, Richcool, bien sûr qu'on est amis. Si tu viens pas me faire suer, hein, sinon je me fâche. De toute façon, je sais même pas encore plus te rencontrer. Bah si, t'as Mediolanum, c'est quoi ce bordel là? Quoi? C'est quoi cette ville, Mediolanum? J'avais pas vu encore. Ah, on est voisins quand même. Heureusement qu'on a des montagnes qui nous séparent, hein. Sinon, je verrais trop ta religion de près. Alors. Comment ça se fait que ma capitale qui fournit la religion a du mal avec les meumeux de l'espace? Si on peut m'expliquer ça. Et du coup, le temps que vous finissiez votre gestion, eh bien, je vous remercie. C'était la fin du 7e épisode. Je dépasse un peu. Merci à vous, les gars, et au prochain. Bye bye. Bye bye. Bye bye.